Et yo tout le monde, c'est PixmaSeb. Aujourd'hui, comme vous voyez, on se retrouve sur du bon petit PUBG. Et on va essayer d'aller s'amuser un maximum sur le bon petit PUBG. Et voilà, c'est parti. Je vais vérifier un truc. Oh non, c'est bon, ça ira bien. Donc je vais essayer de la jouer safe, hein, la game. Merde, c'est quoi ma touche pour la carte déjà? Ok, allez, c'est parti. C'est où je vais aller? On est parti. J'espère que vous allez bien en attendant. Du coup, je vais vous donner quelques infos sur ce qui va se passer d'ici là, peut-être la semaine prochaine. La semaine prochaine, en fait, logiquement, je suis censé attaquer un travail qui va me faire perdre quand même pas mal de temps pour faire mes streams. Donc du coup, il y a forte chance que des streams, il y en ait beaucoup moins. Ah yes, le jeu qui veut pas charger. Ah yes, en plus, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un et le jeu veut pas charger. Ça, c'est trop bien, les amis. Ah, c'est trop cool. Ah yes, c'est bon, ça va vous charger. Voilà. J'ai quelques petits problèmes avec mon PC. Donc ouais, du coup, un peu moins de stream là, les prochains temps qui vont arriver. J'ai quelques petits soucis avec... Je vais avoir quelques petits soucis en attaquant le boulot. Mais bon, du coup, pour l'instant... on essaiera de... J'essaierai quand même de vous mettre pas mal de vidéos sur YouTube. Là, comme vous le savez, en ce jour où la vidéo sera postée, il y aura eu les premières phases qualificatives de la Desert Trackmania Cup. Et j'essaierai, si la qualité est bonne, de vous reprendre durant mes games pour vous les poster directement et que vous puissiez voir un petit peu ce que ça a donné de mon côté. Alors, le souci maintenant, c'est qu'il faut que je trouve un endroit tranquille pour pouvoir looter des vraies armes. Je suis dans la merde sinon. Et puis voilà, et puis on verra un petit peu comment ça va se passer. Là, de toute façon, comme je l'avais expliqué sur mon chat sur Twitch, d'ailleurs je vous remettrai ma chaîne Twitch en description. Comme je vous le dis, les lives vont ralentir. Et du coup, comme mes lives vont être ralentis, et je vais faire un truc un peu plus... tranquille. En fait, c'est dès que je vais trouver un taf que je vais avoir pour l'instant, et bien je quitterai le taf que je vais avoir là. Logiquement, je suis censé l'avoir, puis voilà. On se fera, si je peux avoir un truc avec des horaires fixes, ça sera bien plus intéressant pour moi-même pour faire des lives et tout ça. On n'y voit rien dans le hangar, c'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à PUBG, donc c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà pour les informations. On va essayer de jouer un maximum. Ok. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre le viseur holographique. Ouais, si, sur le beryl, on peut le faire. Sur point rouge. Hop, le décalé. Le garde-flamme. Hop. Il y a autre chose, qu'est-ce que c'est quoi? Oh, bah oui. Laka. Ça, c'est nickel, les amis. On sait qu'il y a des mecs à notre droite en haut. Le mec qui a l'air d'être arrivé à notre gauche. On va essayer d'aller voir les mecs qui est là-haut. Alors où est-ce qu'ils sont?
me demande pas s'ils sont pas dans les hangars juste un peu plus bas. Je vais dire les mots parce que ça tire plus. Pas fait gaffe dans la kill field si des. Oui. Arrive. Pas si vous m'avez vu. Ok, il est revenu dans le hangar rouge d'où je venais. On va essayer d'aller jouer comme il faut. Pas si c'est lui qui m'a tiré dessus, si c'était un mec derrière. C'est compliqué de toute façon tout le temps à savoir où est-ce qu'on nous tire. Les belles joies de PUBG. Oh, oh, ça tire derrière en fait. Il m'a cru. Oh non, il m'a. Non, les amis, je me suis fait tuer comme une brêle. Ah là là. Bon, du coup, c'était une mort très rapide. On va se passer en passant mode spectateur. On va regarder un petit peu ce qu'il va faire. Ned Stark 1991. Qu'est-ce qu'il a comme arme? Est-ce qu'on peut voir un petit peu ou pas? Il a l'air d'avoir une AK. Je sais pas ce que c'est qu'il a dans le dos. Je vais pas savoir. Ça fait trop longtemps en fait que j'ai pas joué au jeu pour pouvoir vous le commenter. Donc du coup, je vais vous laisser. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Enfin, certes, ça a été une game très rapide. Mais bon, de toute façon, comme je l'ai dit, je suis plus assez bon au jeu. Je vais peut-être essayer de le reprendre en live d'ici peut-être quelques jours, on verra. Et puis voilà. Moi, je vous laisse là-dessus. Au moins, voilà, je vous aurai donné quelques explications pour ce qui va arriver. Donc, à mon avis, comme j'ai dit, il y a plus forte chance que vous ayez peut-être un peu plus de vidéos sur YouTube. Et encore, même, ça va peut-être être compliqué. Donc, il y aura peut-être genre une ou deux vidéos sur YouTube. Oula, ça me fait tirer dessus, attention. Sur YouTube, je vais peut-être vous mettre, en fait, une vidéo par semaine, comme d'habitude. Et puis voilà. Et voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis, je vous dis. A plus pour une prochaine vidéo où je vais me faire éclater ma race dès le début comme d'habitude. Allez, à plus mes petits louveteaux.